Salut à tous et bienvenue dans le What the Fuck Academy, un partenariat de Trollface, Youporn et Poisson d'Avril, lol, NDR, énorme blague. Souvenez-vous, on emmerde bien les petits poneys, les licornes et les clones tueurs. Eh oui, car il est plus préférable de marcher sous une échelle que mettre les pieds gauche sous une merde. Bon, sur ce, bonne vidéo. Salut à tous, ici What the Fuck Academy, mais je l'ai déjà dit en début de vidéo, du coup ça sert strictement à rien de me représenter à nouveau. En tout cas, bref, cette fois-ci, cette vidéo, comme promis, nous allons parler un petit peu de Code Gamers, de ce qui s'est passé et des conneries qui ont eu lieu. Mais aujourd'hui, on va pas faire le tour des bêtisiers, parce que c'est le but dans un bêtisier de dire des conneries, de faire des conneries. Nous allons prendre des vidéos vraiment officielles, et pourquoi pas commencer déjà par l'une des premières vidéos des Team Gamers. Ah, la première vidéo de Team Gamers, tout simplement. Rigolons un peu. Pour la nostalgie, je l'ai mis cette intro, parce qu'elle me faisait kiffer et je voulais vous la remontrer. Ah, et dire qu'on me critiquait quand on disait que c'était de la merde. Ils avaient pas tort en fait. Mais moi je m'appelle Noël Key, je fais des vidéos sur Battlefield 2, Assassin's Creed et d'autres jeux, et peut-être des top 10 et voilà. En réalité, il a rien foutu pendant 2 ans. Le mon site que j'écris vraiment moi-même et j'ai mis beaucoup de cœur à le faire, le World Game Affinity. Lui, ça a un lien avec les World Game Info et World Game Retro. Vous pouvez ça forcément faire le lien. Et oui, c'est ce site qui a été là. Et vous pouvez voir tous les jeux vidéo que je poste. Oui, parce que seulement que je poste, parce qu'il n'y aura pas tous les jeux vidéo du monde. Je pense que cela, c'est impossible. Parce que... Ah, en fait, on s'en bat les couilles parce que ces sites ont fermé. Ils n'existent plus. Welcome Punch! Une légende raconte que dans un royaume vivait une princesse sous le nom de Zelda, qui incarnait la sagesse. Le royaume était en totale harmonie et paix, jusqu'au jour qu'un démon incarnant la force sortait des entrailles de la terre, l'endroit de l'enfer, et capture la princesse pour bannir le royaume sous les ténèbres. Beaucoup de valeureux guerriers essayaient de combattre les ténèbres, mais aucun fut revenu du combat vivant. Les sages eurent que seul recours à la prière. Jusqu'au jour où dans un village isolé du royaume, un jeune garçon vêtu de vert, incarnant le courage, combat les ténèbres. Aidé, le peuple de feu et glace, ciel et terre, pour acquérir assez de puissance pour combattre les démons. Le jour venu, un combat pitoyable entre la force et le courage avait lieu. Aidé de la sagesse, le vaillant guerrier battu les démons, qui retournèrent sous les terres. Et avant de périr, lança une malédiction au royaume, qui crée la légende de Zelda. Souvenez-vous très bien de ce passage, car ce passage signifie la fin de Wargame Retro. Et oui, ça a fait un tel gros flop que j'ai définitivement arrêté cette série. Et ben putain, si j'aurais su, j'aurais jamais pris autant de temps à faire ce putain d'intro de merde, parce que franchement, c'était une intro avec un son mal foutu, et un défi que tout le monde s'en battait les couilles. Aujourd'hui encore, j'ai pas encore compris pourquoi tout le monde aimait pas cette intro, parce qu'elle était cool quand même. Passons à la suite.
monsieur, elle est trop carrément cool votre intro là. Wow. Ouais, ben profite bien parce que ça sera vraiment la dernière fois que tu la verras. Car, il a changé de nom. Me demandez pas pourquoi. Mais je sais très bien pourquoi. Mais ta gueule. Ah bah putain de merde. Oh. Et hatch. What? Et la tête. Oh putain. Oh la tête. On va partir de là. On va partir de là. Oh. Merde, la chaîne elle est passée où? Non. Non, les gens, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et je vous jure, ce n'était pas de la comédie, j'ai cru que j'allais vraiment vomir ce jour-là. Oh, j'ai encore des boules au ventre en y repensant et en remettant cette vidéo. Oh, oh. Oh la violence! Again! Yeah, you're meeting you! Je vais parler comme ça parce que je veux pas parler avec ma voix normale, bizarrement. Oui, espèce du gros girolis. Il y a une personne qui est dans ma classe, donc au lycée où je suis, qui s'appelle Damien. Je ne dirai ni nom de famille, ni rien du tout. Ah bon? Elle. Non. Putain! Oh, je merde. Donc, il aime une fille qui s'appelle Emma. Ah. Je ne dirai pas ce truc non plus. Oh. Alors. Je me casse les couilles depuis la rentrée des vacances d'été. Je voulais faire cette petite dédicace à Emma. Ça pouvait l'étrangler avant que je le fasse. That's that shit right there, right? Hi. これでひなちゃんを直せます。That's boy. La drogue, c'est pas bien. Non. Dis-le à tes copains. Oui. La drogue, c'est pas bien. Non. Dis-le à tes copains. Oui. Il y a parfois, on se perd dans les néandres de YouTube. Et des moments où on se pose des questions et on se dit « Pourquoi je fais de la merde ?» Et quand tu as ta réponse, un autre jour tu te diras « Ouais, en fait, monsieur, on s'en bat les couilles de ce que vous dites !» Ah mais t'as tout à fait raison, Timmy. Passons à la suite. Et là, c'est un petit peu hardcore. Enfin, on va dire que certaines théories, ils peuvent un peu dépasser les bornes. Je vous laisse en juger par vous-même. Lien de sang. Cette théorie est encore plus folle que les précédentes, croyez-moi. Dites-vous qu'en réalité, Link et Zelda ont le même lien de sang, c'est-à-dire qu'ils sont soit cousins ou cousines, ou frères et sœurs. Eh, là je t'arrête tout de suite. Mes théories sont toujours autant valables aujourd'hui, même après Breath of the Wild. Alors allez regarder, c'est un conseil, parce qu'elles sont très très intéressantes. Alors t'appelles What the Fuck Academy, regarde bien tes sources avant de dire n'importe quoi. Quoi? Mais... La personne qui le double deux voix est la même personne. Du coup, question et renseignement, on a la même. Arrête d'en dire des conneries, toi aussi. Ouais, il a raison. C'est une très bonne vidéo. Du coup... Ta gueule. De nos jours, la vie est dure. Quand on est une petite patate. Qu'on soit mûr. Se tenir sur ses pattes. Alors mon petit gars, si t'es une petite patate comme moi, écoute bien ces paroles. Si tu ne veux pas finir à la casserole, moi je me débrouille comme je peux. Le tout c'est d'éviter la chaussée, parce qu'une voiture a des pneus. Évitons donc de se faire écraser. Petite patate comme moi, je
te conseille de courir vite si tu veux pas finir taillé en frites. Wesh, sérieusement, monsieur, vous avez vraiment mis ça à Halloween? Je crois qu'on n'a pas la même définition du mot peur, toi et moi, hein. Sérieusement. Ouais, Timmy, et t'as pas encore vu la fin de la vidéo. Crois-moi, regarde-la jusqu'au bout, et crois-moi, tu vas avoir peur. Mais bon, ça, c'est pas vraiment une musique qu'on a fait dans Code Gamers. Je vais t'en montrer vraiment une que j'ai fait pour honorer l'arrivée de Direct Gamer. Hé, hey, Kouz, arrête de désespérer, de commencer à pleurer, pitié. Toi qui t'es tant motivé, rappelle, t'es youtubeur de Nintendo et des fights des jeux vidéo, tu vas plus ramener du World Game pour les antiquités du World Game Retro. YouTube, t'as déjà remplacé mon accès direct normal chez Direct Gamer. J'étais à 5 à l'heure après PlayStation et c'est pas fini. Hey Kouz, t'inquiète pas, tes abonnés vont se charger. Oh, ferme les manières de ta chaîne, crois-moi, tu seras surpris à ton réveil. Même manière, le logo, le nom, comme Gamer. Wow, et cette musique, qu'est-ce qu'elle date, et tant de nostalgie. Aujourd'hui, ben elle retient plus aucune promesse, hein. Eh oui, je fais plus de World Game Info ni de World Game Retro. Et Direct s'appelle plus Direct Gamer, il s'appelle Légionnaire. Du coup, ben cette musique, elle veut plus rien dire aujourd'hui. C'est triste. Bref, cette vidéo était extrêmement difficile à faire, du coup j'espère qu'elle vous a plu, parce que Code Gamers, ben en fait, y a pas eu que des bouses. Code Gamers pouvait proposer d'énormes et belles vidéos, par exemple les Code Geeks, je pouvais rien dire dessus, parce que c'était super bien foutu. Les Top 10, ben en fait, c'est pas trop Code Gamers, du coup j'ai pas pu trop en dire, et en plus le début de Légionnaire, ben c'est un petit peu critiqué dans le vent, c'est les débuts, c'est tout à fait normal. Et bon, et après il y a eu des vidéos un petit peu critiques avec les Team Gamers, mais bon, si je faisais les moindres petits détails, cette vidéo prendrait plus de 30 minutes, et là, ça serait une autre histoire. J'espère qu'elle vous a plu, sur ce, moi je me suis éclaté à l'affaire, je me suis amusé de A à Z, et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo, et ceci un peu plus drôle et un petit peu plus loufoque, sur What the Fuck Academy. Bon, je vous laisse, et bonne vidéo. Enfin, bonne vidéo, enfin, vous avez déjà regardé la vidéo, c'est un petit peu con, du coup, au revoir, ciao, pour une prochaine vidéo. Et tout. Bon, casse-toi. Il te casse, oui.